Harry et Meghan dissidents, cette grande décision prise sans concertation avec Buckingham. À cause des relations plus tendues qu'ils entretiennent avec la famille royale britannique, le prince Harry et son épouse. En effet, révélé que leur fils Archie et leur fille Lilibet utiliseraient officiellement leur titre de prince et de princesse. Mais la décision n'aurait pas été évoquée au préalable, le palais ayant appris la nouvelle lorsque le couple Sussex a publié une déclaration indiquant que leur fille princesse Lilibet Diana avait été baptisée aux États-Unis. Une mention qui a donc entériné le titre officiel de princesse de Lilibet de Sussex, obtenu grâce à son statut de petite fille du roi Charles III. Même chose pour son grand frère, qui a quant à lui hérité du titre de prince Archie de Sussex. Les deux enfants étaient, jusqu'à présent, officiellement présentés comme Miss Lilibet Mountbatten-Windsor et Mr. Archie Mountbatten-Windsor. Buckingham Palace a été pris au dépourvu. Après avoir découvert le titre de la petite Lilibet lors de l'annonce de son baptême, Buckingham s'est empressé d'accorder les titres de prince et de princesse sur son site web. A révélé à l'historienne Tessa Dunlop dans l'émission Royal Beat diffusée sur True Royalty TV. La façon dont la nouvelle a été communiquée a surpris tout le monde et Buckingham Palace a été pris au dépourvu, a quant à lui assuré le journaliste du Daily Mail, Russell Myers. Ils peuvent prétendre que tout a été convenu il y a bien longtemps et qu'il y a eu des discussions à l'époque. Mais je pense qu'il aurait imaginé que les Sussex allaient discuter avec eux de la date à laquelle ils publieraient la déclaration, a poursuivi le spécialiste royal. Le sentiment que Jay perçut est que ce n'était pas le cas. Je pense que cela en dit long sur les relations actuelles et sur la façon dont elles sont fracturées.